Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, pour la première fois sur la chaîne du Caribou Canadien, le jeu Chernobylite, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Chernobylite. J'ai été hâte de tester ce jeu-là. Normal, parce que je suis une personne normale. Pas assez d'introduction, non. Affiché pendant les moments importants. Si vous l'avez placé, ça devrait être important. Allons-y! La centrale de Tchernobyl, la compagnie du Nord et du Nord, entame des essais de la technologie brevetée. Sorti en 90, pas de 240, certains n'ont jamais quitté leur foyer d'autres. Les Salmon de Sully se rendent exclusés de la zone, les manifestants à travers l'Ukraine. 10 milliards. C'est une cabale, le Nord a reçu des lois. Quel secret le Nord cache-t-il réellement derrière ces choses? Chose certaine, le sarcophage doit rester intact. Igor, réveille-toi, espèce de marmotte. Regarde, regarde là-bas. Tu te souviens de la clairière juste derrière ces arbres? C'est là que tu m'as fait la demande. Tu étais tellement nerveux et trop mignon. Enfin, tu es toujours mignon, mon professeur. Kiminouk. Quoi que l'on soit, ça fait du bien de revenir après toutes ces années, pas vrai? Jean qui revient. Oh, c'était qu'un rêve. Qu'est-ce qu'il y a, Igor? Tu dors encore? Réveille-toi. Hey, c'est pas, c'est creepy, ça. Salut, Miska. Réveille-toi. Tanya? C'est toi, Tanya? Arrête de faire l'imbécile. You sleepyhead. Espèce de marmotte. Ciel noir du Pripyat. Salut Miska. Les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl sont effroyables. C'est le seul cas dans l'histoire où autant de personnes sont mortes des dommages causés au réacteur que de la maladie des radiations. 31 victimes. En quelques semaines, principalement à cause de brûlures dues à la vapeur radioactive ou à l'exposition aux radiations. Une personne est même morte d'une crise cardiaque. Mais ces chiffres ne reflètent pas la gravité de la situation. Les autorités ont évalué 115 000 personnes en 36 heures. Et leur ont dit qu'elles pourraient bientôt rentrer chez elles. Malheureusement, c'est un mensonge. La catastrophe a également eu un impact économique considérable. 784 320 hectares de terres agricoles et 694 000 hectares de forêts ont été exclus de la production agricole. L'Union soviétique a alloué près de 18 milliards de roubles pour réparer les conséquences de cette catastrophe.
Cependant, tout cela ne tient pas compte du fait que pendant des décennies, les personnes évacuées de la ville voisine de Pripyat développeront divers types de cancers. De plus, on estime que le nombre de cancers malignes dans les pays voisins augmentera de manière exponentielle, notamment chez les enfants. D'accord. Igor. Wait. Attends. Tania, attends. You proposed to me. Tu m'as fait sa demande. Tu étais tellement nerveux. Et trop mignon. Mon professeur Kiminouk. Tania, arrête ces enfantillages immédiatement. Où es-tu? Toutes ces années. Ça suffit. Si je retourne au train puis je bouge pas du tout et... Sauvegarde. C'est quoi ça? Igor. De tous les bords. John du 68, salut! Oh, mitraillette. Inaka! Merde, c'est quoi ça? Maintenez et visez pour tirer. Bon. Approche utilisée pour vous en débarrasser du côté d'esquive, d'accord? Niaises-tu là? Voyons! Je suis mort. Ah non. Ok, non. Je suis supposé mourir, je pense. C'est ce que je crois, je sais plus. X. Qu'est-ce que tu es? Nous sommes inévitables. Ça va, mon John?
Est-ce que vous m'entendez bien? Pourquoi cet endroit me paraît si familier? C'est mon ancien atelier. Station de fabrication. Malgré son apparence grossière, le générateur de portail est un appareil hautement sophistiqué. Hautement sophistiqué et créé de toutes... Et créer des trous de verre de qualité à l'aide de la tchernobylite. Bon. OK. Please hurry. This reality is coming apart, can't you see? Tu ne dois pas voir cette réalité. OK. Lire. Propriété du futur Déterrance Technologie. Zoomer, dézoomer. Non, OK. On ramasse. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Get back to your work. Allez, remets-toi au travail. C'est la seule façon de partir d'ici. Bon, on a assez de matériaux. Marie-Jeuve, je te vois. Merci pour le follow en passant, j'ai vu ça ce matin. Toutes les actions disponibles sont liées dans les menus de la barre d'outils. Consultez-le en cas de doute. Bon. J'imagine que c'est peut-être un détecteur de radiation. Ça fait du bien de revenir. The entire zone is on lockdown. La zone entière est bloquée. Renard ne plaisante pas. Espérons juste que notre source parvienne à s'infiltrer et que nous ne rencontrions aucune patrouille en chemin. Et si c'était le cas, on improvisera. C'est quoi notre belle au bois dormant nous a payé. Do you really think they'll test this recultivation something? I haven't seen any signs of that. I'm telling you, something is up. There are way too many contractors for such a small area. We can handle the contractors. They're probably some of Wagner's rejects. Fuck you. I fought alongside those guys. I know, I'm just messing around, Anton. Let's focus on getting our professor here some of this. Chernobylite? That's what it's called? Igor? Comme ça qu'il s'appelle, Igor. Igor. Wake up, Igor. We have to go. Réveille-toi, Igor. What? Il faut y aller. Quoi? J'ai dû m'assoupir un moment. Allons-y. Let's go. What are you? Qu'est-ce que tu as? Having doubts, professor? On a des doutes, professeur. Si tu veux faire marche arrière, c'est le moment de tout dire. Not a chance. Hors de question. Mettons un terme à tout ça. C'est certain que le plan va marcher, professeur. Appelez-moi Igor, et oui, c'est certain. Occupez-vous de ce que vous avez à faire et je ferai de même, OK? Essayons de rester discret. Manquerait plus quand on se doive se servir de nos armes.
se servir de nos armes, dans quel pétrin es-tu en train de nous placer, Igor? C'est nécessaire, c'est une chose qui doit être faite. Je n'aime pas les devinettes, professeur, mais c'est toi, chef. Ça s'appelle cette opération nocturne en série, tu t'en souviens, Olivier? Oui, malheureusement, je me rappelle. Bon, allez, on continue l'aventure. Misha, c'est impossible, on doit faire demi-tour. La personne est en train de chuter, il faut descendre. Maintenant, vite, vite, vite. On n'est pas là pour observer les oiseaux, Igor. Allez, on y va. On va escalader la clôture, puis passer par les égouts. Les égouts, Burke, profondeur de la terre, nous voilà. C'est rien d'autre qu'un trou dans le sol, entends. Il y a que moi que ça dérange, ça démange partout. Bon, c'est quoi le niveau de radioactivité dans le coin? Ça fait un moment déjà, non? Évite d'y penser pour le moment et tout ira bien. Concentrons-nous sur l'émission, attachant de quitter cet endroit en seul morceau. Igor, si les choses tournent mal, cache-toi jusqu'à ce qu'on ait fini de régler la situation, d'accord? Inutile de jouer les héros. Pas de panique, Olivier, personne ne se prend pour un gérois ici. On est juste une bande de types désespérés qui marchent dans l'obscurité. Avec des guns dans les mains, par exemple. Yo, hey, par ici. Oui, je suis là. Quoi? No talking. C'est discuté, allez. After you, Eagle. Ladies and Eagle. Les femmes et les intellos d'abord. C'est juste une blague. Il essaie de détendre l'atmosphère. Répondre poliment. Funny guy, hein? T'es marrant, toi, hein? Shit, Igor, get down. Fais chier, Igor, saute. Rends-toi à l'entrée des égouts, on est juste derrière toi. Vous voyez la boussole en haut de votre écran, c'est là. Fausse alerte, c'est sûrement des putains de rats encore pendant la deuxième mi-temps. En plus, fais chier. Le seigneur Denard, Dynamo va encore se prendre une branlée. Cesse de casser le camion n'est pas venu ici tout seul. Ouvrez-la et fermez-la. Reste dans l'obscurité. Vous voyez la boussole en haut de votre écran, c'est là que les figures, les objectifs, les personnes importantes. Et les événements aléatoires, utilisez-la si vous vous égarez ou si vous ne savez pas où aller ou la suite. Bon. C'est pas une boussole, toi? Est-ce une boussole? Ok. Ok, donc il faut la suivre comme ça. Intéressant comme principe jusqu'à date. Je suis intrigué par ce jeu. Je sais pas quand est sa date de sortie. Become invisible. Telle une ombre. Appuyez B pour vous accroupir. Tu as vu quelque chose d'intéressant? Non, je suis suffisamment gradé pour voir des trucs intéressants. Maintenant, file-moi la bouteille, Serge. Faut aller par là, mais je pense par ici ou par là? Oh, colique, une lampe de poche. J'imagine me baisser pour passer par ici. Effectivement. Putain.
Tabarnak! Je suis un technicien, je viens là pour la coupure de courant. C'est bien ici, non? Je suis devant toute chose. Montre-moi votre badge, monsieur le technicien. Il ne te croit pas. Aucun problème, merde. Il est forcément quelque part. Les gars, écoutez-moi, ne compliquons pas les choses. Vous oubliez cette histoire de badge, et moi j'oublie cette bouteille. Vous avez pas votre badge, hein? Ben alors, vous l'avez oublié dans quelle place, il sait. Désolé pour le cafouillage. Bon, ça passera pour cette fois, mais... Ne que ça se produise pas, compris? Ah, les patrouilles putrain vous donneraient presque envie de naître n'importe où ailleurs. Igor, il paraît que c'est crime. J'étais pas loin en plus avant de me faire pogner. Ouais, je sais, je suis là, là. Tu es sûr que c'est la bonne entrée? Je travaille ici avant, tu te souviens, donc? Oui, je suis certain. Igor, vérifie les radiations, tu veux. Ouvre ton inventaire, Y, et équipez-vous de l'analyseur d'environnement. L'analyseur d'environnement, une extension du PDA équipée d'un compteur Geiger intégré et d'un scanner environnemental idéal pour localiser les ressources. 3,6. C'est pas terrible. Courage, nous sommes en sécurité pour encore au moins une heure, d'accord? Aucun d'entre nous est en sécurité. Bon, on va se diriger vers où? Ok, t'en sautes dans mes chemins, là. Ok, mais tu m'as pas dit où aller. Ah, par là. Wow. Ah, les goûts. Ok, mais qu'est-ce que je fais? Je les ramasse? Malgré sa part en grossesse, le générateur de portail est un appareil hautement sophistiqué qui crée des trous de valves qui a été à l'aide de Tchernobyl. Okay. Je
Ça marche pas là. Qu'est-ce que je trouve pas? Trouver de la tchernobylite. Ah, ok. À moins faut que je suis ça. Voltas, what's up? Je suis idiot. C'est buggy pour moi.
Parce que lui, il s'en sort. Je regarde, puis... Parce que lui, il fait rien. Il parle juste à vous deux, puis il vérifie une fin de vérification, puis ça, c'est fini. Non, ça va pas bien. Fais juste ça, moi. J'ai envie de recommencer parce que là, je comprends pas. Ben oui. Dès qu'il finit de vérifier, eux autres, c'est terminé. Les deux. Il y a juste moi qui ai bugué là.
On va essayer de savoir. This is no time for bird watching, Igor. Let's go. Through the fence, into the sewers. Sewers? Oh, and down into the underworld we go. It's nothing but a hole in the ground, Anton. Oh, does anyone else feel itchy? So, how bad is the radiation around here these days? It's been a long time, right? Do yourself a favor and don't think about that right now. Let's focus on doing the job and getting out of here in one piece. Igor, if the shit hits the fan, get yourself out of sight until we take care of it, okay? Don't be a Giroi. Don't panic, Olivier. No Giroi's here. Only some desperate people. On est que commencer voir cette partie-là pour voir. No talking. Go. After you, Igor. Ladies and eggheads first. Funny guy, huh? Shit, Igor, get down. Get to the sewer entrance. We're right behind you. Become invisible. So, you were inside the lab? Yeah, for a bit. See anything interesting? Nah. Interesting is above my pay grade. Now pass that bottle, Sergei. Rien. I'm the tech guy. I'm here about. First, let's see some ID. He doesn't believe you. No problem. You forget about the bag? No ID, huh? What? He knows. Sorry for the mix-up. We'll let it slide. What a day. What a shitty, shitty day. Eagle, hey, over here. Bon, let's go. Sure, this is the right entrance. I used to work here, remember? Yeah, I'm sure. Igor, take a rad reading, will you? Igor, take a rad reading, will you? 3.6. Not great. Not terrible. Chin up. Quoi, we're safe for another hour or so, all right? None of you are safe. Ah ouais, regarde ça. Moi, je pouvais pas faire ça, ça avait bugué. I hope you have a good memory. J'espère que tu as une bonne mémoire. Bien, je passe devant. Yes, Captain Olivier. Bien, monsieur le capitaine Olivier. Tu es sûr que son appareil marche, Igor? Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails pour le moment, mais oui, il a juste besoin de plus de Chernobylite. Chernobylite, c'est le composé le plus radioactif de la Terre, en fait, si j'en crois ce que tu dis.
man knows what he's doing, Anton. Cet homme sait ce qu'il fait, Anton. Reste concentré, accomplissant la mission, et on rigolera tout autour d'une bonne bière plus vite que tu crois. The readings are bad. The numbers are too high. Centrale, les relevés sont pas bons. L'heure sont trop élevée. On ne peut pas abandonner, mon Dieu. Employé de la centrale, laissez-moi sortir d'ici. Quelqu'un doit ouvrir les vannes manuellement. Quelqu'un doit aller à l'intérieur. Utilisez LT pour que notre analyse environnementale mette un nom de radar et scanne l'environnement. Je suis sûr que ça fait. Attendez, deux ennemis droit devant. Silence, Anton. Tu prends celui de gauche, je m'occupe de l'autre. Let's go. Quel homme brillant, ok? C'est ton moment de gloire, mais on se fait tuer à cause de toi, je suis sûr de bien le prendre. Je crois que tu devais t'occuper de ce gars. Tu comptes faire ça maintenant ou plus tard? Cinq bars, ça continue. Tu crois que ça va exploser? Ça va peut-être te surprendre, mais je suis soldat, pas physicien. Pas encore, reprends-toi et continue. Pour vous battre corps à corps, attaquez un ennemi qui ignore votre présence pour réaliser une nation discrète. Tu as hésité là-bas, la prochaine fois tu fais mieux d'utiliser ce couteau si tu veux rester en vie. Ça fait tellement longtemps. C'est quoi, Igor? Bien, Igor, c'est toi la star. Tu as exécuté le plan? Je suis en train d'accéder au terminal. Enfin, si le bouton A5 fonctionne. Igor, mets-toi au travail, tu peux? Igor, mets-toi au travail, tu veux? Igor, don't. Igor, no. Tania? What are you stalling for, Igor? Tu essaies de jouer la montre ou quoi, Igor? Le temps est contre nous. Ne pas appuyer sur le bouton et dire la vérité. Ne pas appuyer sur le bouton et trouver une excuse. I'm not stalling, je ne sais pas gagner du temps, bordel. Le système ne répond pas. Elle invite. Si j'ai fait la moindre erreur, ça pourrait provoquer un autre fusion. Tu aurais pu le dire plus tôt. Bon, on fait quoi maintenant? On doit trouver un autre moyen d'accéder à la salle de réacteur.
By we, you mean me and Anton, tu dis « Anton », tu veux dire toi, Anton et moi, hein, sérieux? Et on dit qu'on a payé une bouchée de pain pour ce job. The reactor room, now. Ah, ça devrait être maintenant. Alors pourquoi n'as-tu pas simplement appuyé sur le foutu bouton? Tu n'as pas beaucoup de temps en cours. Les radiations alors. The Chernobyl light, let's go. C'est encore plus froid que je m'en souviens de mes souvenirs. Tu en as déjà vu auparavant, pas vrai? Un fragment bien plus petit, mais en cas de t'es suffisant pour mes recherches initiales. Est-ce que tu vas me dire comment fonctionne cette drôle d'arme? On crée une sorte de raccourci à travers l'espace-temps, on appelle ça un trou de verre. Elle forme un tunnel avec deux bouches et a besoin d'une source d'énergie exotique pour le maintenir ouvert. L'énergie exotique, c'est pas... C'est la Chernobylite, c'est pas vrai? Exactement. Et où mène ce raccourci? Il amène là où il est supposé le faire, mais restons-en là pour l'instant, d'accord? Quoi? Ma fiancée, elle a disparu ici durant le désastre il y a 30 ans. Je vois, mais on reparle de ça plus tard, ok? Prends les cristaux et tirons-nous. Putain, merde, aidez-moi! Pourquoi êtes-vous ici? C'est pas... Olivier? Olivier, où es-tu passé, bon sang, Olivier? C'était quoi ce bordel? Écoute, mon Dieu, je suis vraiment désolé, Olivier. Anton était... c'était un bon gars. C'était qui, cet enfoiré? Comment je le savais, je ne sais pas comment, mais il a utilisé l'énergie négative de la Chernobylite pour se téléporter, pour confirmer notre théorie. Arrête, on s'en fout de tout ça pour l'instant. Est-ce qu'il peut nous atteindre ici? Et on est où ici, exactement? Nous sommes à l'intérieur d'un trou de verre qui connecte deux singularités. Ce n'est pas supposé durer longtemps. Il n'est pas très stable. On doit bouger. Et non, il ne peut pas nous prendre en chasse. Enfin, c'est possible en théorie, mais c'est peu probable. Je ne veux pas le savoir. Contente-toi de nous sortir de là. De ce côté, espérons que tu sois prêt chez Mikael. On se rejoint là-bas, alors. Mon bras, j'ai l'impression que les murs ont été un torse. En tortillé à l'intérieur. Je ferai la peau à ce fils de pute masqué, Anton, je te le promets. Cet endroit est définitivement plus ce qu'il était. C'est comme un serpent qui m'a mué encore et encore. Tu dois tout apprendre de nouveau, le ressentir, l'apprivoiser. Tchernobyl, jour 1. The
singularité déchirante, le tissu de la réalité. Les fondations de cette réalité sont vraiment très fragiles. Il n'y a plus de temps, allez! Grande de poche. Combien de fois sommes-nous passés dans ces portes? Un nombre incalculable, allons-y, ensemble, mon amour. Je dois avoir trouvé un moyen de réduire mon niveau de radioactivité. Utiliser été pour voir, avoir un traceur environnemental et mettre un nom de radar. Cherche une petite bouteille avec une étiquette indiquant l'iodure de potassium et bleu de Prusse. Elle se sera utile. Vous avez passé trop de temps dans la zone contaminée. Utilisez le médicament anti-radiation. Qui se trouve dans votre inventaire afin de réduire vos niveaux de radiation. Appuyez sur Y pour ouvrir l'inventaire. Bon, ça devrait fonctionner. Excellent. Par défaut, l'analyseur environnemental mettra en surbrillance toutes les ressources et objets présents dans la zone. Cependant, vous pouvez aussi les filtrer et les rechercher par catégorie. Maintenez et appuyez sur XY pour sélectionner les herbes et vous permettra de préparer des médicaments. Alors n'hésitez pas à cueillir au maximum. Pièce mécanique. Composante électronique. Par défaut, l'analyseur, c'est correct. Un remède qui aidera votre corps à éliminer une petite quantité de radiation préparée à la base d'eau, de javel et de potassium. N'essayez pas chez vous. En sommaire, consultez les stats pour plus d'informations. Ok, ouais. Mixture simple à base d'herbes longes mijotées restaure des petites quantités.
Ok. Ouais, je n'ai plus. Je n'ai pas. Okay. Tous les objets utilisables sont automatiquement ajoutés au menu accès rapide. Utilisez les touches pour sélectionner les médicaments que vous avez préparés et appuyez sur A pour utiliser. Vous assignez les objets au menu. Ah. Ok, je comprends. S'enlever. Il fallait que j'utilisais. Ok, c'est bon. Moi, je peux en faire un autre. Du chimique, j'en ai pas. Voilà. Bon, allons vers l'avant. Hands where I can see them. What's the password? Les mains en évidence, mot de passe. Ah, c'est vraiment mis d'accord sur un mot de passe, je m'en souviens pas. Tu permets, j'arrive pas à réfléchir avec cette arme pour être sur moi. Igor? Oh bordel. Nostalgia. Nostalgie, c'est nostalgie, c'était ton idée en plus. Come on in. Igor, you're a bit of a handyman, right? Tu es plutôt doué pour le témoin, pas vrai? Jette un œil autour de toi et vois si tu peux trouver quelque chose. Tu es dans ton élément, mon chéri, à toi de mettre de l'ordre dans tout ce chaos. Appuyez sur pour commencer à reconstruire votre base. En mode construction, vous pouvez marquer les structures déjà construites ou la camelote afin de les démonter pour récupérer des ressources en appuyant sur Y. Entraînez-vous sur des produits qui traînent au sol. À présent, construisez une table de travail. Il s'agit de la structure la plus basique permettant d'accéder à des installations plus avancées. Sélectionnez la catégorie amélioration de la table. Appuyez sur A pour afficher les contenus. Répétez la même opération avec outils de construction. Ok. Construction disponible, amélioration. Donc. Chaque jour, vous aurez la possibilité de revenir à la base pour l'agrandir. Votre seule limite est la quantité de ressources disponibles. Utilisez maintenant B pour quitter le mode de construction. Je fais quoi sur l'établi? Ok, je peux monter en appuyant sur A.
Okay. Des mini-pauses. C'était tout pour l'aventure du jeu Chernobylite, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!